Salut les amis, aujourd'hui on va regarder un modèle vintage, hein. C'est un ami du club qui est venu avec une voiture Rally Game qui a à peu près 25 ans, hein. Elle était restée à la maison. Là il est venu nous rendre visite pour rouler avec nous au club. Alors il a une radio Reflex Carson et la voiture c'est une Caro Serpent, très très belle, la McLaren, hein. Et alors le châssis, il a déjà pas mal roulé aujourd'hui, il y a eu des petits soucis d'embrayage et de mise au point. Par contre, on a un modèle vraiment historique. Quand on voit la taille des amortisseurs ici, l'ergonomie, la triangulation, c'est vraiment une voiture qui a facilement 25 ans. Alors on ne sait pas exactement quel modèle c'est, on ne sait pas. Par contre, elle marche pas trop mal. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il est en configuration 4-2. Donc il a que la propulsion, hein, parce que devant il n'a pas la transmission, il n'y a pas de différentiel, dedans il n'y a pas de boîte, c'est tout vide en fait. Hein. Et il y a un moteur thermique, c'est un 3,5. Alors je ne sais pas si on voit ce que c'est. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est ce moteur. Peut-être dans les commentaires, il y a des gens qui pourront nous le dire dans les commentaires sous la vidéo. Mais nous, on n'est pas arrivé à savoir ce que c'était. C'est un 3,5, il a bien démarré, hein, alors qu'il n'était pas du tout bloqué. Il y a un échappement à l'ancienne, hein, avec un raccord silicone ici. Ici, il y a le tube de fuite, hein, de sortie. Voilà, le réservoir. Hein. Et il n'a pas de boîte, hein, donc il est monté en Rally Game. Il y a juste une couronne plastique, hein, ici. Et après, on est sur un modèle... des années, on sait pas trop, hein, 90, 95, facilement. Voilà, alors le châssis dessous. Voilà, on a une plaque où il y a ici un trou pour le diff. Et puis voilà, la couronne, elle dépasse pas mal dessous. C'est bizarre d'ailleurs, hein, c'est pareil. Mais il y a une protection quand même devant, pour éviter que les cailloux ils viennent la taper, parce que c'est une couronne en plastique. Et devant, on a le trou des diffs centrales. Voilà. Donc, ben dans cet état, elle marche quand même. Elle roule sur le circuit. Voilà. Il a mis une super carrosserie McLaren. C'est celle qui équipe les Rally Game GT8 RTR de Serpent, la Cobra GT 9 en kit. Mais là on a que la carrosserie. Alors on va déjà essayer de démarrer, faire une tentative.